Allons donc. Il ne faut pas vous mettre dans un état pareil. Attendez! Pas maintenant, Mythos. Bon, il n'y en a plus. Je ne crois pas. Bizarre, quand même. Et va le doigt de mes deux. Mais c'est pas la plus grosse surprise qu'on a eue aujourd'hui. Qui t'a appris à faire ça, Talgor? C'est un secret? Bon, d'accord. Gab, il faut retrouver Clive. Oui, pardon. Il en restait un. Tu vas bien? Ouais, et toi? J'y étais presque. Si je maîtrisais mes pouvoirs, j'aurais pu l'achever. Je suis déjà bien content que tu t'en sois sorti. Depuis quand les Valedois sont-ils là? Depuis que t'es entré dans le château. On en avait à peine fini avec les hommes de Titan. Que voilà ceux d'Odin. Heureusement, ils étaient pas trop nombreux. Oui. Sauf que l'un d'entre eux est parti avec Kupka. Donc, en fait, tu crois qu'ils sont venus ici pour le sauver? Enfin, j'ai pas la moindre idée de ce qui se trame, mais plus on passe de temps à y réfléchir, moins on a de chances de rattraper Kupka. Alors on fait quoi? Mettons-nous en route pour le repère. Je n'arrive plus à réfléchir. Toi, tu n'as pas l'air vaillant. Et après, ce qu'a vécu Jill. On verra pour Kupka plus tard, d'accord? Bon. Ça marche. Comme ça, on pourra aussi enquêter sur le mystère du toutou magique. Jill, tu tiens un coup? On va rentrer. Tu as trop tiré sur la corde. Le moindre geste doit t'épuiser, j'imagine. Je t'ai dit que tu devais faire plus attention à ta santé. Alors on arrête les bêtises, ma chère. Il faut absolument que tu te reposes. D'accord. J'obéis. Ne crains rien, Gab. Tout ira bien. Oui, c'est vrai qu'on a tous pu rentrer, sains et saufs. Et on a encore nos mains, nous. D'ailleurs, où est Kupka? Et que diable faisaient ces Valedois, Rosalys? J'aimerais bien le savoir, crois-moi. Otto sait peut-être des choses. Je vais lui parler. Je vais parler à Harpocrate. Harpocrate? Et de quoi? De ton fidèle compagnon, d'abord.
Si des chroniques font état de comportements semblables, j'imagine qu'Harpocrate les connaît. Je veux surtout savoir si c'est mauvais pour Talgor. J'ai besoin de me renseigner sur ce sujet, car je n'aimerais pas qu'il finisse dans le même état que Jill. Compris. Tiens-moi informé de tout ça. Bien sûr. Et tu fais de même, hein? Jill, fais ce que dit Taria. D'accord. C'est promis. Otto, je ne te dérange pas. T'inquiète pas pour ça. Comment va Jill ? Un peu mieux qu'avant. On la laisse se reposer autant que nécessaire. Bien. Y a-t-il du nouveau sur Kupka ? Vivian essaye de retrouver sa trace, mais les pistes sont rares. On a envoyé des Stolas aux Lames de Pierre et à nos autres alliés de l'Ouest pour qu'ils nous fassent part de leur découverte sur cette affaire. Attendons voir. Ça devrait finir par payer. Parfait. Préviens-moi s'il y a du nouveau. Le voilà. Eh ben, Clive, t'es encore en train de sauver le monde ? Mead, depuis quand es-tu là ? Pas longtemps. Et l'école, alors ? Oh, y a plus court. Depuis que Hugo Kupka a envahi Rosalia. Tout le monde devient fou à Canvert. C'est la guerre, il va venir ici, on va tous y passer. Ah, ça c'est la fille de Sid. Rentrer dans une telle agitation. C'est bon, arrête, j'ai compris. Combien de temps comptes-tu rester ici ? Je sais pas, peut-être un petit moment. Au fait, tant que je te tiens, j'aimerais bien te demander une faveur. Mead, tu sais bien que je suis... Clive, mais... s'il te plaît. Nous n'avons pas encore retrouvé Kupka. Tu as le temps de lui apporter ton aide. Professeur ! Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Vous étiez plongé dans vos bouquins encore ? Eh oui. Enfin, jusqu'à ce que tu arrives, bien sûr. Vois-tu, ta naïveté agit telle une brise légère. Elle s'engouffre dans les esprits et souffle au loin le moindre nuage de pensées complexes. Je suis censée bien le prendre ? On se retrouve à la réserve ? Promis ? Je compte vraiment sur ton aide ! Et attends ! Une brise légère. Moi, j'appelle ça une tornade. Hé, hey, Otto, t'as mon blé ? Hein ? De quoi tu me parles ? J'ai assuré la traversée de Mead. Elle m'a dit que tu me paierais. Cette petite... La réserve, donc. Allons voir de quoi il s'agit. Ça a chauffé à Rosalys, hein? Te voilà enfin? Viens-en au fait, Mead. Je vais synthétiser. Je voudrais la pièce du bas pour mon atelier personnel, c'est négociable. Et ça t'est venu comme ça ? Non, j'y pense depuis un bon moment. C'est mon père qui m'a donné le goût de la mécanique. Il a vu que j'apprenais vite, alors il m'a envoyé étudier à l'université de Canvert. Mais mon but à présent, c'est qu'un jour toutes ces connaissances soient utiles au repère. Et c'était impossible en restant à l'école. J'ai assez appris. Avec un atelier, je pourrais aider. Tu verras, je vais me rendre utile ici. Je te le garantis. Eh bien, ma foi. Sid serait fier de toi. Entendu. Alors va dire à Otto que tu restes. J'ai eu gain de cause ! Et du coup, tu vas me donner un coup de main ?
Qui, moi? Bah, évidemment. Bon, puisqu'il faut en passer par là... Pour commencer, va me chercher ça. Ce sont des matériaux et des outils. Les choses dont j'ai besoin sont indiquées. Il me les faut pour l'atelier. Je t'ai aussi donné des minéraux. Avec, on forge des trucs qu'on ne peut pas forcément trouver ici. Voilà pour le matos. Il me faut aussi un charpentier, si possible. C'est bon, ce sera tout? Je pense. Allez, tu vas y arriver. Par où commencer? Les matériaux et la forge. Allons voir Caron et Blackthorn. Les enfants n'en font qu'à leur tête en ce moment. Il était toute pâle à son retour de Rosalys. Mais où donc étiez-vous passé? Mead revient de Canvert. Vous lui avez parlé? Juste à l'instant. Elle a pour projet d'installer un atelier dans la réserve. Et elle m'envoie acheter des matériaux. Voici la liste. Est-ce que vous auriez tout ce qu'elle recherche? Ça, là? Je crois bien que je vais m'en sortir. Formidable. Elle sera contente. J'espère. Elle nous a tellement aidés jusqu'à maintenant, cette petite. Sans ces filtres à eau noire, on n'aurait plus d'eau douce dans ce repère. Donc aujourd'hui, je l'aide parce que je lui dois beaucoup. Je comprends. J'enverrai tout à Mead quand ce sera prêt. Merci, vraiment. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Soyez prudent. Blackthorn, je peux? C'est pourquoi? Je viens faire des commissions pour Mead. Elle m'a confié ceci pour toi. Pourrais-tu nous aider? Ça en fait. Et qu'est-ce qu'elle veut construire avec ça? Un aéronef? Je tenterai le coup. Et je lui ramènerai tout ça une fois terminé. Quelle corvée. Tu me sauves. Et Mead aussi, je crois. Passons au charpentier. Je devrais aller voir Bardolph. Salut, Clive. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? On prendra soin, hein? Je suis content du résultat. C'est tout? Bien. Je suis sûr que Sid va s'occuper de Kupka. C'est pas demain qu'on va le voir au repère, lui. Alors, tu penses pouvoir t'en sortir? Rosalys, non? La nouvelle de l'attaque vient de faire un choc. Je me demande bien ce que fait Mlle Mead. Reste concentré sur la leçon pour le moment, petit. Alors j'y étais. En gros, j'ai besoin de matériaux, d'outils et d'un bon charbon. Ça a chauffé à Rosalys, hein?
déménage? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Mid est là. L'ambiance redevient plus effervescente grâce à elle. Entretien complet, ça lui ferait pas de mal quand même. Je pense qu'avec ça, on pourra. Comment va, patron? Bardolph, Mid veut construire un atelier dans le repère. Elle aurait besoin de quelqu'un de travailleur. Naturellement, j'ai pensé à toi. Eh ben, croyez-moi, j'aimerais vraiment pouvoir l'aider. Mais je suis embêté. On vient de commencer des travaux de renforcement structurel. Si je décide de laisser ça de côté, même un court instant, j'ai peur qu'il arrive le pire. Aucun de nous ne peut bouger d'ici tant que tout danger n'a pas été écarté. Priorité au repère. Tant pis. Et pourquoi pas demander ailleurs? Il y a bien un autre gars. Ah bah oui, il doit être chez Martha à l'auberge. Bernard, je crois. Pas bête. D'autant qu'il soutient notre cause. Je verrai bien si Martha accepte. Merci. C'est rien du tout. Clive, alors, quel bon vent t'amène? En fait, j'ai besoin des services d'un charpentier, où vous savez. Accepteriez-vous de me céder Bernard pour un temps? Moi, ça me dérange pas. Faut s'entraider, pas vrai? Merci, Martha. Savez-vous où le trouver? Apparemment, il avait affaire à Cressida, si tu voyais l'endroit. De vraies ruines. Le mieux, c'est encore d'y aller. C'est ce que je vais faire. On m'a dit que vous aviez volé au secours de Rosalys quand vous avez eu vent de l'attaque. Je ne m'y attendais pas. Merci de rester avec nous. Tous ceux qui sont restés doivent se serrer les coudes. Ah, bienvenue. Le monde va mal, mais si vous avez de l'argent, j'ai de la viande. Que puis-je pour vous? Je suis à la recherche de bijoux lilas. Si vous n'en avez pas, pourriez-vous me dire de quoi il s'agit? J'étais gamin la dernière fois que j'ai entendu ce nom-là. C'est des queues de scorpion, en fait. C'est comme ça que les gens les appelaient dans le temps. Elles virent au violet foncé à la cuisson. D'où leur nom. Ça finissait dans la marmite quand il n'y avait rien d'autre à manger. En temps de guerre ou ce genre de choses. De nos jours, on n'en voit plus sur les étals. En tout cas, dans le coin. Je crois pas connaître un seul marchand qui en vend. Vous sauriez où vivent ces scorpions, par hasard? Pas si loin d'ici. Je crois qu'il y en a aux Jonchères, si je me souviens bien. Merci. J'irai jeter un œil. Bonjour, Sid. Tu es prête? Plus vite!
C'est parti. Les marais au nord du monastère ne sont plus loin. Voyons si on peut trouver ces trolls de Morgane. Pas de doute. Les trolls de Morgane sont bien jaunes. Bon. On va en prendre un peu plus pour ne plus avoir à revenir ici. Ça coule de gobelins. Celui-là n'est pas le plus petit. Le parfum de ses fleurs les attire pas. Ces fleurs m'est familier. Il me rappelle mon enfance. Je pense que ça fera l'affaire. Apportons-les au repère. En baissant pote. Challenge.
terminé! Oh nous, si proche du but. Ce qui vient des ruines, retourne aux ruines. Halt!
sans doute pu être pire. Levez-vous, au vent ! Cours ! En fait, dans la manette qui s'est connectée en plein combat. Terminé. Autant rapporter ça à Ivan. C'est pas une bonne idée. T'es prête ? On y va à fond. La musique me fait un peu penser à Skyrim. Pas Skyrim, Morrowind. Oh, c'est bien vous qui m'avez sauvé la mise. Vous cherchez quelque chose ici? Vous, Bernard. Martha m'a dit que vous seriez ici. J'ai une offre à vous faire. Ah, oh, vous m'en direz tant. Construire un atelier, donc. Mon burin a bien besoin d'exercice, remarquez. Et puis, si ça dérange pas Martha que je m'absente, pas de problème, je me libère de suite. J'en suis ravi. Ah, et... je peux vous demander quelque chose, là, tant qu'on y est? Je vous écoute. Ce village là-bas, c'est Cressida, là où j'ai grandi. Tout le monde a déserté, sauf mes parents qui y sont enterrés. Voyez, je suis venu exprès pour eux. J'ai même réparé ce pont pour accéder au village. Tout ça pour trouver l'endroit grouillant de monstres. Vous êtes connu comme la terreur des monstres et des vilaines bêtes, pas vrai? Est-ce que vous pourriez m'aider? Je peux faire ça pour vous. Oh, c'est bien aimable. Bonne chance! Je devrais pas.
La voie est libre. Eh ben, vous les avez eus sans trop d'efforts. Merci, l'ami. Je vais pouvoir parler un peu avec mes morts. Et depuis quand ce village est-il à l'abandon? Oh, vous savez, il y a eu l'annexion impériale, le fléau noir. C'était trop pour ce village. Tout le monde a préféré s'enfuir. Et je vous parle de ça, mais c'était il y a des lustres. Cressida est devenue bien sinistre. Quelle tristesse. C'était pourtant un havre de paix. C'est triste. Oh, tant pis. Vous voyez, tout change. Faut bien s'y faire, hein? Il faut maintenant que j'aille faire une prière rapide. Après ça, je suis à vous. Alors à plus tard. Je crois que j'ai fini ce que j'avais à faire. Rentrons donc voir où en est Mid. Quand c'est Maëv qui nous sert, j'ai l'impression que la... Ah, te voilà! Tu as trouvé ma viande? Oui, effectivement. Merveilleux, alors... Oh! T'es vraiment sûr que c'est ça? Et le poison, alors? Tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, c'était du scorpion. Ah, c'est du... Ah, vas-y. Il faut que je me lance, alors... Je suppose. Un instant, le temps que ça cuise. Quelle horreur. Regarde ça. Un vrai ragoût de monstre mijoté à l'ancienne. Comme dans les livres d'histoire. À toi l'honneur, Sid. Tu m'en diras des nouvelles. Je n'ai pas faim. Bon, tu ne viendras pas te plaindre quand j'aurai fini le plat. Allez! Ah bon sang, fils! C'est comme embrasser un morbol! Cette puanteur m'envahit! Et pourtant, après la puanteur, il y a... Il y a comme une touche juteuse. Bon, j'ai encore un peu l'impression que mon nez va se décrocher, mais... Oh,
Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon de ma vie. Merci, Sid. Merci. Je t'en prie. Ah, tout le monde doit y goûter. Ce serait le comble de l'égoïsme de ne pas partager ce délice avec tous les habitants du repère. Rien qu'une bouchée. Et Molly l'ajoutera d'elle-même au menu. Si tu le dis.